It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. Salut à tous, c'est la chaîne de Gros Sourcils. Donc comme je vous le disais, on était parti dans le Caucase en voyage et on y est toujours, mais sauf que là on est à la maison en fait, parce que pour passer de Grèce en Turquie, qui sont évidemment contigus, il y avait une frontière en Thrace où on aurait pu passer en quelques minutes, mais nous il a fallu qu'on rentre en France se faire vacciner pour pouvoir repartir en Turquie. Donc en gros, pour passer de Grèce en Turquie, au lieu de faire 1 km, on va en faire 5000. Bon, les contraintes liées au Covid. Mais a priori, maintenant, on sera un peu plus tranquille puisqu'avec deux doses de vaccin, on n'a plus besoin de PCR pour entrer en Turquie et déjà pour traverser les Balkans si on a besoin de le faire. Donc là, on est en train de partir en Turquie. On est en train de faire Grèce-Turquie, mais on est dans l'Indre-et-Loire. C'est assez original. Donc, prochaines informations, bah, on va peut-être reprendre le bateau à Ancône. On ne sait pas encore comment on va traverser l'Adriatique. Et on vous tient quand même au courant. Parce que ce que je sais par contre, c'est qu'il fait déjà pas mauvais. Il fait déjà 39-40 en Turquie en ce moment à l'ouest. Mais ça va, je suis protégé. Salut à tous, c'est Gros Sourcils. Vous savez qu'on va de Grèce en Turquie en passant par la France. Parce que ça fait un petit détour. Donc on est dans le détour là. On est dans le dur aussi. Et en fait, on a trouvé que le détour qu'on avait prévu était un peu court en kilomètres, donc on a décidé de passer par le sud-ouest depuis la Touraine pour aller en Italie. Ouais, donc on a trouvé un endroit extrêmement calme, isolé de tous, avec surtout la plage. Donc ça nous conforte dans l'idée qu'on est bien dans les bivouacs et dans les vacances comme on les rêve et comme on les imagine, en particulier à l'étranger. Alors là, donc, on n'est pas vraiment à l'étranger, puisque on est dans les Pyrénées-Atlantiques. Et puis, en fait, il n'y a pas trop la plage, c'est plutôt une piscine. Et puis, c'est pas super isolé comme coin, parce qu'on a juste un rectangle de 20 mètres carrés d'herbe. Mais autour de nous, il y a 254 autres emplacements. Je crois visiblement qu'on est dans un camping. Bon, on va quand même bivouaquer dans notre bulot jovial. Et je vais juste vous donner un nombre. Je vais vous donner le prix d'un emplacement de base, hein, sans électricité, sans enfants, sans chien, sans rien. Hein. Pour une nuit, hein, c'est pour une nuit ce que je vais vous dire là. Je ne vais pas vous le donner en roubles ou en livres turcs, non. Je vais vous le donner en euros pour que vous ayez une représentation de ce que ça peut coûter un camping pour deux personnes et une nuit en France. 39. 39. Ça commence à faire un score quand même. Il y a du level là, 39 euros. Hein. Alors en fait, c'est le jour zéro là, de notre parcours, parce qu'on va dire qu'on commence demain. Demain, on essaie d'aller à Vintimille, donc c'est demain le grand départ. Et j'essaierai de faire des débriefings comme ça le soir, parce que j'ai remarqué que les professionnels de la vidéo, ceux qui ont beaucoup de vues sur YouTube, c'est pas moi, et ben souvent, quand ils sont en voyage comme ça, ils se posent sur un caillou, le soir, après avoir fait de la moto, de la voiture, du deltaplane, ils se posent sur un caillou, ils sont mal coiffés, il y a un petit peu de crasse dans la barbe, et ils expliquent le contenu de leur journée. Moi, je vais essayer de faire pareil. Mais sauf que moi, j'ai rien à dire. Là, on a fait Bordeaux-Biarritz par l'autoroute. C'est pas... Il n'y a pas grand-chose à débriefinger, mais ça va peut-être venir. Moi, je reviens vers vous parce que je n'arrive pas à m'en remettre ni du tarif, ni de la position qu'on occupe aujourd'hui. Je vous montre l'emplacement quand même pour vous prouver que on a juste posé la voiture. On n'a pas sorti de tente, d'auvent, on n'a pas calé les roues. Donc, on est garé. On est garé sur un emplacement. En fait, on a une place de parking au camping. Alors, derrière, là-bas, le bâtiment qu'on aperçoit, ce sont les toilettes. Donc, on a des toilettes par rapport à un parking qui serait dans la nature, on a les toilettes. En fait, on est un petit peu comme sur un parking d'autoroute. C'est presque aussi bruyant avec les gamins qui cognent leur ballon.
Je vous redis le prix quand même en euros. 39. Hein, 39. Alors c'est pas 40, mais bah, si on arrondit à la dizaine, c'est pas loin quand même. 39 euros. Je vous refais. Non, mais je vous refais un petit tour quand même, de la taille de l'emplacement. Je sais, on est obligé, on va pas dormir n'importe où, au bord de la route, mais je me remets pas. 40, c'est quand même 10 repas pour deux en Turquie. Jour zéro. Conseil aux voyageurs. Vous pouvez dormir sur l'aire de Beausoleil. Beausoleil, c'est la dernière aire en France avant d'entrer en Italie. Elle est là, au-dessus de Monaco. Il y a un petit parking qui est quasiment invisible depuis la station, avec une dizaine de places pour les voitures. Personne ne le repère, donc on est toujours tout seul. On peut dormir là. C'est ce qu'on a fait, c'était hyper calme. Et puis surtout, on a une excellente vue sur la baie. Donc hier, c'était le jour 1, après le jour 0, on est arrivé à Monaco, enfin au-dessus de Monaco. Donc hier, c'était un petit match Biarritz-Monaco, mais bon, ça s'est terminé par un match nul. 920 km, tout le monde a gagné. 920 km en Toyota, c'est du lourd. C'est pas la même chose que 920 km en Mercedes Classe S ou en BMW Série 7. On a mis 12 heures, on est arrivé là. Et là, on est au-dessus de Monaco, Monte Carlo. Donc, le yacht qu'on a commandé, c'est le plus petit, là, face à nous, le plus près de la côte. Donc là, ils sont en train de nous le livrer. J'espère qu'ils ont fait le plein. On verra ça tout à l'heure. Le palais de Monaco, quand même. C'est quand même un des rares pays qu'on peut filmer ou prendre en photo d'un seul jet, en le voyant entièrement. Un paramoteur qui passe au-dessus de nous, au-dessus de Monaco. Il doit avoir une vue pas désagréable. C'est peut-être James Bond qui s'échappe d'un yacht. Il sourit, il a l'air content, le gars. J'espère qu'il va pas prendre l'autoroute quand même.